je savais que j'avais une équipe de haut niveau et de très haut niveau. Après, on est satisfait et heureux dans les victoires, on est satisfait et heureux dans la manière aussi. Et pour l'instant, c'est un sans faute. Donc voilà, il faut encore gravir cette petite marche pour pouvoir savourer pleinement cette saison. Mais oui, enfin, aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas d'avoir pris cette équipe en main avec mon staff. Ouais. Ce sont les meilleurs moments là, en ce moment, c'est-à-dire la finale Ligue des Champions, la finale de la Coupe de France, là où les trophées se jouent véritablement sur un match. C'est ce que vous attendez toute l'année finalement, d'en être là. Oui, mais c'est un travail de longue haleine, c'est une construction. Tu arrives sur ton mois de mai, sur les finales du mois de mai, parce que tu as préparé en amont pendant 9 mois ou 10 mois. Voilà, et arriver dans cette période avec tout ton effectif au complet, en forme, c'est le défi qu'on s'était donné, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, faut les gagner, hein. Parce que tu peux faire tes trois finales et perdre tes trois finales, et là, tu es comme un con. Donc, voilà, l'objectif, c'est de les gagner. On en a gagné deux. On en a gagné deux, maintenant, il faut la troisième absolument pour concrétiser cette superbe saison. Défi disait que s'il n'y avait pas le triplé, ça serait une saison ratée. C'est toujours pas votre avis? Oh, je pense pas, très sincèrement. Cette année, pour l'instant, elle est formidable. Il faudrait qu'elle devienne exceptionnelle. Faut qu'on gagne contre Paris cette coupe. Voilà, mais c'est aussi se donner. Ça veut dire que l'exigence est élevée quand elle te dit ça. Voilà, elles disent on a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire. Si on n'y arrive pas, effectivement, ce serait une déception. Mais quelque part, on n'y pense pas. On pense qu'on va gagner ce triplé. On pense qu'on va gagner jeudi. On va tout faire pour. Il n'y a pas de contre-indication à ça aujourd'hui. Je ne me pose pas la question de me dire oui, mais voilà, aujourd'hui, on a l'effectif encore une fois pour gagner cette Coupe de France.